Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 13 janvier 2022, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix de la Côte d'Azur. Première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 5 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour cette magnifique compétition internationale qui portera tout de même le label Groupe 3 et offrira une dotation totale de 120 000 euros, il ne faudra pas hésiter à faire confiance aux chevaux du premier échelon dans l'ensemble. Comme quasiment toujours dans ce prix de la Côte d'Azur, la vérité devrait se jouer devant. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 5, Eric The Hill. Thomas McVeist l'aime énormément et Adrien Lamy, son partenaire, s'en sert merveilleusement bien. Lauréat de deux de ses trois dernières tentatives et ayant repris de la fraîcheur en vue de ce superbe engagement au premier échelon, il vise tout simplement la victoire finale. En deuxième choix, le numéro 9, Empire. Deuxième atout de l'écurie de Thomas McVeist, il sera lui confié à un certain Eric Raffin. D'une louable régularité et pouvant adopter toutes les tactiques de course, il ne serait pas étonnant de le retrouver rapidement aux commandes pour essayer de jouer le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Écureuil Génie-Loup. Véritable roi de la Côte d'Azur et notamment de cet hippodrome de Cannes-sur-Mer, il est le mieux armé au deuxième échelon pour rendre victorieusement la distance de 25 mètres. En quatrième position, viendra le numéro 1, Pinto Bob. Il s'est imposé avec un certain style lors de sa dernière tentative et Robert Berg, son entraîneur Driver, est plutôt confiant avant-coup. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Esprit Mystique. Entraîné par le local pardon, Nicolas Hensch et drivé par ce même homme, ce fils de village mystique n'a qu'à répéter sa plus récente deuxième place pour espérer terminer dans les 5 premiers. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Vikens Ideal. Deuxième atout de l'écurie de Robert Berg, c'est un certain Gabriel et Gélormine qui sera à ses commandes et déféré des 4 pieds, le cheval peut lui aussi terminer dans les 5 premiers. En avant-dernier choix, le numéro 8, Dolina Desplaines. Courageuse en diable et donnant toujours son maximum sur la piste, cette femelle de 9 ans, fille de Nahar de Béval et déférée des 4 pieds, peut elle aussi espérer décrocher une belle allocation. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, El Presidente. Deuxième atout de l'écurie de Jean-Marie Roubaud, il monte de catégorie aujourd'hui, mais comme il a beaucoup de classe et aime la piste, sait-on jamais. En cas de non partant, le numéro 6, Espoir du Marny, qui montre énormément de talent depuis le début de sa carrière, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection font une fois encore sauter la banque avec le tiercé dans le désordre de 504 euros, le quartet désordre de 1138 euros et le quintet plus toujours dans le désordre, ce dernier affichant tout de même un rapport de 2456 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.